1-0. Et voilà, je suis lancé. Au moment de faire mon tac, je sens en lançant la jambe qu'il y a quelque chose de pas net. Et que voilà, j'ai pété quelque chose. Et j'ai ressenti la douleur tout de suite. Ah, c'est comme si tu prenais un coup de couteau dans la cuisse. C'est un moment difficile parce que les idées sont un peu mélangées. Et voilà, tu penses forcément aussi un peu au mondial. Il y a un mécanisme d'hyperextension de la jambe gauche, l'ischio rompt à ce moment-là, et lui il le sent tout de suite. Hein. C'est surtout l'examen clinique qui permet d'établir un diagnostic, mais l'IRM permet d'avoir une localisation exacte et de savoir si le tendon est vraiment touché. Et il ne faut jamais se précipiter sur un délai de reprise. C'est l'évolution dans les 3-4 jours qui suivent, voire parfois jusqu'au 10e jour, parce que chacun n'a pas la même capacité de cicatrisation. Mais bon, avec l'expérience, on commence à connaître un peu les différents types de lésions et les délais de cicatrisation qui sont acceptables. Mais l'examen clinique, c'est le plus important. Hein. C'est vraiment l'examen le plus important. Et l'IRM confirme à ce moment-là qu'il y a une lésion d'un tendon des ischio-jambiers et que le délai de 6 semaines ne sera pas de trop pour revoir Kimpembe sur le terrain. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est compliqué au début parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre jusqu'à l'IRM. Et voilà, on se pose un tas de questions. Et au moment de l'IRM, voilà, le doc et le staff médical m'annoncent que j'en ai pour 5-6 semaines minimum. Ça met un coup au moral un petit peu parce que voilà, c'est quand même long. Mais voilà, on passe à autre chose assez rapidement parce qu'on sait que derrière, il y a des échéances qui vont arriver. État d'esprit, c'est très important. L'aspect psychologique pour un joueur, déjà, lui annoncer qu'il n'y a pas de rupture de l'ischio jambier parce que, vous savez, il y a toujours beaucoup de gens qui interviennent autour d'eux. Si le tendon est rompu, il faut opérer. Donc déjà, nous, on doit rassurer complètement le joueur sur le fait que ça peut et ce sera un traitement médical, qu'avec le temps, on aura la possibilité de faire cicatriser le tendon. Il a été dans un bon état d'esprit parce que aussi il a confiance dans la structure, il a confiance dans les gens qui le prennent en charge, et qu'effectivement, par rapport à la Champions League, par rapport à la Coupe du Monde de football, ça nous laissait le temps d'avoir un retour dans des délais acceptables. À Spetar pour ma rééducation. Donc voilà, on est tous très très impatients, très pressés d'y être parce qu'il faut revenir vite. C'est l'heure du comeback. Là-bas, en termes de balnéothérapie, en termes de soins, on connaît toute l'équipe médicale et ça permet, dans très bonnes conditions, de changer un peu d'air pour le joueur. Il est parti au bout de 10 jours, il est parti 8 jours, c'était très très bien. Une forme de prolongement du traitement qu'on fait ici avec quand même des capacités en termes de logistique qui sont supérieures à un centre d'entraînement, hein, faut le dire, et avec des gens qu'on connaît très très bien. Ça va, game day. Minute 89, felt a sharp pain on the left hamstring. And then from there, difficulty to walk for 3 to 4 days. And since then, it's getting better clinically. And we've been working since then. C'est parfait. C'est parfait. C'est juste. Bon, le process d'abord que aujourd'hui c'est de faire le bilan de sa blessure spécifique, mais aussi en général les choses pour lesquelles il peut bénéficier à Spetar. Avec le voyage, avec la différence des conditions climatiques et tout ça, aujourd'hui c'est plutôt assessment, c'est plutôt évaluation. Et récupération avant de commencer et de continuer son traitement. T'inquiète pas, je vais revenir tout neuf. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. 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 Merci.
Sur le management de la charge dans la semaine, il faut avoir des temps forts de travail et des temps un peu plus légers de récupération, et là ça en fait partie. Il faut savoir aussi adapter. Et aujourd'hui c'était une bonne petite journée. On a fait ce qu'il fallait, je pense qu'on a trouvé le juste milieu. Maintenant, récupération, soins, pour revenir encore plus fort demain. Demain fort. And up, 4, 5, 6. Yes. Slowly down, very good. Up, up and back. Bonne séance. On a travaillé le bas du corps, les mollets, les hanches, les ischios. On a fait renforcement, un peu de quadri aussi, mouvement du bassin pour reprendre aussi les mouvements de course. Et voilà, c'était dur. Hein. Ça fait du bien, même si j'ai pas couru vite. Reprendre un petit peu les sensations. Reprendre un petit peu la course et tout, les mouvements, ça fait du bien. J'y avais pas le droit jusqu'à aujourd'hui, mais voilà, on est de retour petit à petit. On prend le temps qu'il faut et on va revenir plus fort. L'appréhension avec l'ischio, c'est quand je vais commencer à courir, ça va arriver. Non, mais ce qui va lever l'appréhension, ouais, c'est ça, c'est déjà de recommencer à courir, après tout le travail de renfort, etc. Mais t'as vu, quand ça fait longtemps que tu cours pas comme ça, même là, tout à l'heure, j'ai fait des tout petits pas, là, ouais. Je me sentais archi lourd. Ouais. Ça fait après, bizarre. Après, c'est l'accumulation du travail aussi, hein. Là, tu vois, là, quand tu passes, là, ouais. Avec tes mains, je les sens, les courbatures. Ouais. Tu vois, quand tu sens les points, ça va arriver, mais je sens pas en haut, je les sens tout en bas. Okay, là, plus, ouais. Ça commence là, ouais. Là aussi? Au milieu. En haut, ça va, je sens pas. Huit heures trente du matin. C'est parti. Par là. Hello. I can stop it. Yes. Perfect. Thank you. Un petit déj de champion. Deux œufs, deux petits œufs au plat avec des noix, comme tu peux le voir, de l'eau et du gingembre pour bien se réveiller, pour avoir un peu de jus pendant la séance. Bon appétit. Thank you. C'est parti. Summer. Oh.
grosse séance ce matin. Très très grosse séance. À cette heure de manger, sieste. Je dors bien. Et on repart de plus belle. C'était chaud. C'était chaud. C'était un moment de... J'étais seul aussi, mais bon, pour la tête, c'était pas plus mal. C'est aussi le moment de changer les idées. Et ça a été dur, très dur, mais voilà, fallait passer par là pour pouvoir avancer et passer aux étapes supérieures. Ça fait du bien, petite récupération dans l'eau. Ouais, ça fait du bien. Mais c'est pas que de la récup, c'est du travail. Hein. Chambre froide. Oh. Il fait combien? Moins 15, frérot. Tu peux me mettre à la boxe, tu penses? Quelle catégorie? Ça c'est poids léger. Hein. Ah ouais? Non, je rigole, c'est peut-être poids moyen. Peut-être poids moyen, je sais pas. Ah, je te laisse. Hein. Après 30 minutes, tu te sens bien? Ah, j'ai froid au pied. T'as froid? Vas-y, sors. Je rate Marseille, sérieux quoi. Je pensais pas à tout ça, c'est après quand j'ai regardé le calendrier. On va revenir plus fort. T'inquiète pas, frérot. Un petit lion en cage. Et quand le lion il mange pas, il a faim. Au bout, c'est le plus important. Et voilà, on a passé une belle soirée, même s'il y a eu beaucoup de suspense. C'est sûr que ça fait bizarre. On aimerait, en tout cas, j'aimerais être avec l'équipe pour les aider. Mais bon, voilà, ils ont fait le job et c'est le plus important ce soir. Ça bosse bien, t'es impatient de retrouver les terrains hein. Ouais, ça bosse bien. C'est le plus important, c'est de prendre son temps, revenir au bon moment et voilà, on essaye de bien soigner, c'est le plus important. C'est pas encore, mais a priori, on a rediscuté, blablabla, et il va sortir sur le terrain. Ah, j'ai dit, j'ai la banane tout seul, ça ah, sort oui. Tout seul. Là, t'as pas le moulin. Non. Okay. Du feu, quoi. Du feu, ça part. C'est les émotions qui arrivent. Pourquoi? Je vais dehors. Pour la première fois depuis 4 semaines et 2-3 jours.
Regarde, regarde les jambes comme elles tremblent. Soigne bien. Si on peut voir le toto, ça me rappelle. Importante dans la reprise de l'activité physique, c'est son retour sur le terrain. Donc voilà, ça fait plaisir aux joueurs, ça nous fait plaisir à nous aussi parce que c'est aussi un accomplissement pour nous et surtout c'est juste une étape, on n'y est pas encore. C'est le travail de Juanito. On a fait un menu spécial pour la récupération et la blessure pour maintenir la composition corporelle ou améliorer et surtout pour faire que la cicatrisation et la récupération de sa blessure soient mieux. Franchement, on est content parce que depuis le début, il a beaucoup amélioré la composition corporelle. Et je pense qu'il se sent bien. Et aussi, il a pris des bons habits pour l'alimentation. C'était comme une puce. Il faut améliorer la qualité nutritionnelle pour améliorer les qualités de cicatrisation. Donc tout ça, c'est une vraie équipe hein, qui se penche sur... non pas sur une lésion, mais sur un individu. Et même d'un point de vue psychologique, hein, il y a des supports psychologiques. Il n'y a pas que l'aspect uniquement cicatrisation de la lésion qui rentre en jeu. Dernière partie est prise en charge par le secteur performance. Là, vous voyez qu'on travaille en fonction de pourcentage de performance qu'il établit lors des matchs, avec les hypothèses hautes et les hypothèses basses. Et le but, c'est de pouvoir reconditionner le joueur pour qu'il soit très, très rapidement capable de reproduire les efforts qu'il va rencontrer en match. Donc, ça veut dire que déjà, l'ischio-jambier est préparé un petit peu avant, est prêt avant cette phase. Et souvent, d'ailleurs, on interpénètre, on continue à travailler fort alors que la cicatrisation n'est pas complètement obtenue pour que, justement, il puisse y avoir une adaptation de l'ischio à la charge qu'on va lui demander. Allez, tu la gardes dans l'air. Par ici, tranquille. Relâchez. Ça fait plaisir, tu vois, la petite goutte de sueur qui coule on the pitch. Là, ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. 4 semaines et 2 ou 3 jours. J'avais pas mis les crampons, j'étais pas revenu sur le terrain. Donc forcément, ça titille un peu les jambes, tu vois. Beaucoup d'envie, mais il faut prendre aussi le temps de bien récupérer, de revenir bien frais et surtout en bonne condition pour pas rechuter. Good.
s'entraînent depuis maintenant une semaine. Ils s'entraînaient au bout de 5 semaines et demie. Alors après, bah, c'est le choix du coach hein, de prendre un joueur qui n'a pas joué depuis 6 semaines. Ce sont des choix stratégiques sur le banc, comment il va l'utiliser. Ça, je dirais qu'on n'est plus... Nous, on donne des recommandations avec le département médical et performance, mais une fois que le joueur est avec l'équipe, c'est le jeu, c'est le coach qui va prendre la décision de le prendre ou pas dans le squad, par exemple, pour demain soir. Que j'étais un petit peu comme un gosse parce que ça faisait un moment que j'avais pas été dans le groupe, que j'avais pas partagé un moment comme ça avec le groupe, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Et voilà, au moment où je vais m'échauffer, je suis excité parce que c'est le moment de courir, de se préparer pour pouvoir peut-être rentrer. Il y a le public qui me salue, qui m'applaudit, donc ça fait chaud au cœur. J'étais déjà prêt, t'as pas vu, j'avais les protèges tibiais, c'était déjà mis, le maillot, tout était prêt. J'avais juste à enlever mon chasuble. Et voilà, j'étais très content parce que c'était un moment que j'attendais avec impatience. Et voilà, je pense que tout le monde sait comment ça me tenait à cœur de jouer quelques minutes et de revenir dans le groupe avec toute l'équipe. Une immense fierté, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. De refaire mes premiers pas en professionnel. Ça m'a rappelé un peu mon premier match contre Lens que j'avais fait au Stade de France. Sauf que là, j'avais tout le public qui chantait mon nom, qui m'encourageait. Donc c'était beau à entendre, même si j'essayais d'être focus et dans mon match, je l'ai quand même entendu. Le retour de Fresco, elle est là. Très très grosse sensation, ça fait du bien. J'attendais ça depuis un moment, ça faisait 6 semaines et demie. Donc là, forcément, les émotions.